okanga maratro na fali pour patandis que ba mission basé belé na République démocratique du Congo ba ferego la berite watanabe ba tout belé mais tout monde aura toujours aux arrêts approche na fali pour pas et aponani pour natikala opexa ve morota benganga ba vetu ba benganga na solana ba na solana ba tout belé vraiment c'est peut-être que dikap nanga courant les carabien makasi on a pena pire ve na wanga na ngoti na lela effort les langa fort tous les langa fort on avait nanga c'est connu de tous mais ferego la na ya ve na fort mais il y a pas de problème avec lui et si on n'est peut-être pas assez proche, c'est peut-être parce que c'est le courant qui n'est pas peut-être passé au même niveau qu'avec les autres. Mais en même temps, je parle bien avec beaucoup d'artistes et je ne pense pas que j'ai un problème particulier avec Ferregola. C'est un grand artiste de mon pays que je respecte et que je respecterai toujours quoi qu'il arrive. Donc je pense que respect pour Nanga Zanon par rapport à l'éducation, je le respecte. Et puis j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on a une qualité artistique n'a été. Et c'est juste ça. Il n'y a pas de problème. Si je suis plus proche de Fally, c'est peut-être parce que je m'entends plus avec Fally, je passe plus de temps avec Fally, je parle plus avec Fally et Fally pour passer un grand frère pour moi aujourd'hui qui a montré plus son amour pour moi que peut-être d'autres ou qui a peut-être compris comment est-ce que je fonctionne et qui arrive à mieux me gérer que d'autres personnes, que c'est un artiste que j'arrive à mieux gérer que certains grands frères, donc du coup je crois que c'est pour ça. Et en fait ma bonne affinité la force à monter et qui est nandé qui est narration et qui est bon handicap et à la bonne quoi ce qui est bien n'avait dans les patres problème pays à la tête dans tous les cas n'a pas en tout. Je me présente Hélène Kalema, ambassadeur douce, brutale, mais fatale. Et je représente Afri Radio. Quelques précisions, nous sommes connectés à Kinshasa, c'est-à-dire les machines partent ailleurs. Donc voilà, moi ce que j'aimerais savoir en fait, c'est que quand tu parles du parcours, évidemment, j'imagine que ton réseau m'a bien parcours en Messie. Parce que le parcours en ce besoin, c'est ma zone de best. Quand on dit la best, n'est-ce pas? Pour avancer légèrement, la question maintenant qui m'inquiète un petit peu, c'est le côté, par exemple, la chanson tout à l'heure avec Fally. Moi, je revois quand on parle de parcours de Guess, je revois Guess avec Fally, je revois Guess avec Dadju, je te revois comme ça. Alors, je me dis, mais est-ce que le 24 août, j'aurai l'impression de revivre, comme tu as parlé de tes chansons qui ont marqué chaque année, il y avait... et ça c'est vrai, personne ne peut dire le contraire, chaque album il y avait 2-3 titres à succès. Alors j'imagine qu'on va reprendre les titres à succès, mais comment seront réinterprétés ces titres si X, Y ne seront pas là, j'imagine, à moins que ça soit une surprise ça. Et sinon, je vous souhaite bonne chance pour Kinshasa, mais je m'inquiète un peu pour le single. C'est comme si tu affrontes une salle, là, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tu fais des voyages en Europe tout le temps, mais la cigale fait partie des salles de renommée. Aussi, mais là, on monte toi bien. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle à sauter. Et les salles à sauter ? Il n'y a pas de salle. Et toi, on est tiré une colonne de rose à pomme. Je suis Esther, na suis au Hollande, na suis na Belgique. Je suis un problème que souffert souffert depuis 12 ans. Un problème est que j'ai un problème maquilla. Sans médicament, je suis vraiment vivre bien.
Donc ce que nous avons médicament au yotéjo ça la net nous avons couffa. Problème au yonaie par papa Moïse Lelo pour nous avoir bicam moi dans les cas de délivrance à longolanga au Makambo nous avons souffert encore. Longola maladie na combo na yes longola longola ba maladie longola ba maladie longola ba maladie ma bumu passe ba biloko nyonso te longwa katilai allez ma moto ba 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 moto Jésus Christ ba moto Jésus Christ longola de surtout badako longola badako longola badako longola badako longola badako longola longola ba moto 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 Bimana Zotonai. Bozo zonga place Mosalaka. Oya mai, kotana mai, oya zamba, kotana zamba, ale bino tu bokende. Bino nyo so tu bokende. Ale bino nyo so tu bokende. Bokende, 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 bokende. Damona bino lisus nan Zotonai te. Bima mobimba. Ozana. Témoignage. Après 8 semaines, Maman Esther a yé lisus ko témoigné. Bote peuple de Dieu, les gens n'ayez les bossards, la bino qu'ont témoigné aux ambassades de Bamoyanga. Quelques semaines passées, na qu'on a qui pas la papa Moïse pour la première à marquer nos amis qui n'ango n'a pas souffert ango pendant 10 ans. Les ambassades qu'ont ouanga na Makambo Oyo, le docteur bal le baki que sans médicament normalement il va être nakufa. Dans les cas qui ba opération et ba kolongwate. Après délivrance, la papa Moïse et kolongwa douleur et kenda n'ango semaine le cas après de France ba ekota la peine azo tunanga o e ba ko cause donc problème na azo tunanga e limwa pe donc ba docteur batala kiango ba sali deux fois kota lango po bazala sur et ça le suscite donc le na ko kum sa zambe oyo ya papa Moïse ya uzana ministry oyo ya san moinanga pour aller ka ba église sebele ba mona e le côté ba docteur pe baloba ki pananga soki na zo melango te donc pour faire les alibosuanga après que le cas de France un problème oyo et aussi là na maladie pe longo na bomo nanga na lobati déjà ba maladie nyo surtout oyo wu melaka tango lai oyo sila kate oyo memaka moto tina liwa ezali démoniaque ba maladie fo moto bela ka pe moto bikaka mais tango moto azo ko bikate tie bemi moto na liwa et sengeli na yo ko luka délivrance ndé wana okomona esili et puis na lobati été ba oyo ba tambola partout oyo ba bikate awa ezali terminus boya et pa e na nzambe ne boko bika dans zo zela bino na moto. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on finesse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota Labiso na Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse affusée, ensemble na Gloire Kese, Steve, na Pesio Bambote, Place aux Ali, Fenec, BCBG, Bambote, na Bino Nostou, partout dans le monde, Bazota Labiso, émission spéciale, musée,
Tindingu na Elenga Congo TV après ba événement na ya Imika bolandi deux jours ya Imika biso tout okaki après concert ya pasteur Mike Alambai na stade du Martyr ba pesa ki ba suspension ba suspenda ki ba activité nyonso o ezali non sportif na kati ya stade du Martyr stade Tata Raphaël ba lobi imkapé ezala rapé na kati mais tomoni muze Kindingu dati wana ya lobaki ya deux jours ba to ba monaki yango ya lukuta o azo tchaka bakale pour na concert au Kobetama les 10 na les 11 mais tomoni muze Kindingu a sale événement na yango elenge Congo TV to yambi lelo a poto sola nanu muze Kindingu muze Kindingu muze Kindingu Marta Yengi ouais. Double vitesse à viser double vitesse ya viser muze Kindingu ouais Martin na minute au peuple congolais se pelle partout na monde entier talaga muze Kindingu où est le mal où est les valises va bien se dégager toujours. Beauté, ouais. Yo yebi. Ah. Être avec Fati Béton. Être avec Mémé. Mémé avant d'aller à Chimala. Oh. Zéro mètre. Zéro mètre. Vous êtes l'ambassade. Pepa Mémé, je suis habillé surtout. Beauté, tout au monde, je suis beauté. Mais beauté, nous sommes les capes, ma fille, qui est belle. On a combien de deux fois. Wana romole kana ba fina kitambaka ngangai donc peine na e ezongelio ponga mna chela ba defa plainte oh ya solo plainia na bango ya kanga na kenda ofunda bango pa ministre de justice andimia ngwa be c'est bon chito luka bango bo to kanga bango namna za plainia na bango plainia ba defa nga mais ben tsuba se pela rate tango lo ba defa na na rate mboka na biso yebi e bele pe ba lila defa ngo za ranini po to bele pe ba linga ba yeba wa so ba yebi yango ba comprendre je ba tuka kaka na de na defa oh so yo jari mokonji ba komi so mwasi mitali yo mokoti oh biso to rapota mi bali ndamba tinda biso mi bali mwa mobali ve ma botaka voilà. Moi, je suis un chic, 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 porte de chapelle. Voilà. Tobe chanera dida charena ramupanji. Ramupanji. César Passotti yango ilobo kwa nzambe pe azota la biso. Merci vraiment na bandeko tu bo benga kitozwa Muze Kindingu. Muze Kindingu imika na ba page. Imika stade historique, stade de l'indépendance. Côté makambwe ba e banda wana. Voilà mesdames et messieurs, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse affusée, ensemble na Gizma Wete, Yabiso, Ya Changu, et Ratakate. Donc Gizma Wete, bonjour. Bonjour, bonne nuit. Bien. Alors, toujours le lot à la conférence de presse pour un concert au Ezali le 24 et puis na le 14 na niveau ya cours Oyo organisé pour na. Ba maramo ele kana kitoko mambo ele kana kitoko toza déjà wana pona osala maramo bien na Aqua Splash et puis juste après toza suma marito ko suma kati na la cigale de Paris donc goinda bat bazala après ba ba que gesa déjà prêt pona osala bino plaisir bino bo salara o etika c'est à dire bo se déplacer bo yana place à concert sans modération c'est photo ya famille mobimato ya famille mobimato tondi sa moto buka ngo c'est comme ça que ça se passe ya ngo kisma wote ya ona lingi na tuna pourquoi o lingi kaka pourquoi on préfère le parcours pour le concert aux Arabes? Ah, ma solo to solo une équipe ma bino outil loin. Ti place au outil, ti place au komi. Il faut ça la maramba de comprendre qui tu es. Donc tu fais l'accès à ton parcours, place na outil, ti place au komi avant toi qu'est-ce qu'on a vité supérieur pour kalamin que mambozo beba. Alors on a question moko na mona ki nde comment moi ça tunio par rapport que au kanga maratro na fali pour patandis que ba mission basé belé na République démocratique du Congo ba faire Gola, Berite, Watanabe, Batoué Bele, mais tout le monde aura toujours aux arrêts approche na Fali Poupa. Et ça pour Nani. Pour Natikala, on peut savoir mon rota benganga, va faire tout babenganga na Solana, on a Solana, Batoué Bele vraiment. C'est peut-être que Dicap n'a pas couru les Carabiens Maka, si on a peine à pire, Vena Wanga, on a dit, allez là fort, allez là fort, tous les là fort. On a Venanga, c'est connu de tous. Mais faire Gola, on a Venanga fort, mais il n'y a pas de problème avec lui. Et si on n'est peut-être pas assez proche, c'est peut-être parce que
C'est le courant qui n'est pas peut-être passé au même niveau qu'avec les autres. Mais en même temps, je parle bien avec beaucoup d'artistes et je ne pense pas que j'ai un problème particulier avec Ferregula. C'est un grand artiste de mon pays que je respecte et que je respecterai toujours quoi qu'il arrive. Donc je pense que respect pour Nanga Zanon par rapport à l'éducation, je le respecte. Et puis j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on a une qualité artistique n'a été. Et c'est juste ça. Il n'y a pas de problème. Si je suis plus proche de Fally, c'est peut-être parce que je m'entends plus avec Fally, je passe plus de temps avec Fally, je parle plus avec Fally. Et Fally, pour passer un grand frère pour moi aujourd'hui qui a montré plus son amour pour moi que peut-être d'autres, ou qui a peut-être compris comment est-ce que je fonctionne et qui arrive à mieux me gérer que d'autres personnes, que c'est un artiste que j'arrive à mieux gérer que certains grands frères. Donc du coup je crois que c'est pour ça. Et en fait ma bonne affinité était la force à monter et qui n'a rien qui n'a rassuré qui bon handicap et à la bonne quoi ce qui bien n'avait dans les patres problème pays à la tête dans tous les cas n'a petit n'a pas en tout cas tout le monde peut présenter c'est Dolphin vraiment animé très bien. Dolphin. Alors bonjour. Hier. Alors moi message Mouké pour la conférence de Salami pour un événement mené au Batunyas Bazouzela le 24 août au Anna. Bagay Belles, Bataka Petit Samson. Donc rendez-vous jeune tout le temps le 24. Naro Kasplash et ça a plaisir à toi quoi. Donc cette conférence était pour ça. Bah pena pour Tokat Maki nous jouons. Alors merci Gesma Wete et Awa Elenga Kongo TV. Juste à la conférence de presse Naye, Yangomoni. Après conférence, nous avons interview pour un concert au Ezali le 24 août à Wana Akwa. Donc, nous avons un pour un parcours. Il y a Gesma Wete puis le 14 na Sigal na niveau. Il y a Europe, Batuba Rosala Tel Mebele, OEP, Bazoze la présence. Il y a Gesma Wete na niveau Europe. Il y a un autre lobby, Bananion, Soy, Amérique, Afrique, Asie. Bokendara déjà n'Europe pour un concert au Ezali le 14 septembre na niveau ya Europe. Merci vraiment. Maintenant des questions à poser à l'artiste qui est arrivé parce que cette partie finalement a commencé. Je vais pas vous dire la parole. Bonjour, c'est Franck Stéphane, Africa Info. Bon amour à Guez. Guez, bonjour. Bonjour. Félicitations pour le parcours. Très beau parcours, très bon parcours. Merci. Voilà. Alors, moi, une inquiétude comme mon bouquet dans un amour, c'est par rapport à l'album presque 15 titres. Très bel album. Mais ben, nous aimons beaucoup les amis, parce que vous avez un bon rumiste, ça j'insiste. Aujourd'hui, je sais que tu es vraiment bébé sur terre avec. La musique d'aujourd'hui, la musique des jeunes. Pas de voir pourquoi la musique n'a pas de ça. Mais Banzé Mbouza n'a très narumba. Malheureusement, ils ont clipété. Moi, c'est clipété. Ils ont clipété. Je parle de la chanson, par exemple. Banzé Mbouza n'a très narumba. Ils ont clipété. Exemple, je prends 500. Chanson dansante. Au niveau, ça fait pas tout bas bien à bien. Ou clipé en hôtel. Alors, j'entends une autre chanson ici, excusez-moi. Toujours qui aime votre musique. Je prends ici par exemple Assez. Quand j'écoute la chanson, Nazo Kamonet c'est ma colomassia. Il n'y a pas le tout, mais chanté par le vieux Carlito. Ah ouais. Très très belle chanson. Mais on est dans le clip, on dit ma pongo aux autres qui ne peuvent pas me traiter. Vous n'avez pas besoin, il y a un public un peu plus avancé en âge, ou l'aimer plus pour ça la traîne à la jeune, ou c'est quoi, ou c'est la qui occupe le 20e mois. Ok. Le 14 septembre, nous serons tous à Paris, la Cigale. Ce sera bien sûr le plus grand concert au Bétan Europe, parce qu'au Bétan, j'ai moins bien une participation à la concert dans le monde de Soussou. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la billetterie va bien? Parce que les problèmes se posent aussi au niveau du sold out et autres. Qu'est-ce que nous confirmons aujourd'hui si la Cigale a rempli pour la public au Rwanda? Merci. La personne qui évite d'annoncer le sold out avant parce qu'il n'est pas dans sa main personnellement. J'ai l'impression, étant un bon Kinois, comme je l'ai expliqué, que quand tu dis que tu as déjà sold out, que nous devons sauver qu'il y ait une maison de concert à Paris, le roi n'a pas déjà été donné. Nous sommes sur place. Alors, vous n'avez pas demandé à ce que vous tournez avec le tour de l'Iban, ça n'a pas rapport à ça.
En tant que climat, votre pays, la maroquinerie, j'ai fait la maroquinerie, c'était soldat au moins deux semaines avant, n'est-ce pas, Douglas? Au moins deux semaines avant, j'ai annoncé les jours J à comment que ça, les tournées, mais non, les soldats, comme les soldats, ça fait deux semaines. Avec Chauveux, c'était pareil, j'étais fait soldat plus tôt, mais quand j'étais passé par la Covid, j'avais peur que quand on se marie à des groupes, alors qu'il y a des soldats, j'ai pas annoncé. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais dans tous les cas, c'est la fin que j'ai fait le moment. On va voir sur place quand la salle va être pleine ou pas. Il y aura des caméras. De toute façon, on n'a pas d'échec, ma réussite. Je présente tout devant les gens parce que tout ça, c'est partie de ma carrière, c'est partie de ma vie. Et les chansons comme Assez, la chanson, ils ont un peu douce, ils auront un clip. Pour preuve, on a la loi d'Italien, ils auront un clip. Maintenant, nous souffrons dans la danse, ils auront un clip. Dans le deuxième rôle, on a la danse et tout. Mais ils auront un clip pour deux danses. C'est-à-dire, les clips sont faits en fonction des chansons que nous choisissons avec l'équipe. On peut se tromper, on peut avoir raison. Mais en tout cas, on essaie de faire de notre mieux pour clipper les chansons qu'il faut. Et ce n'est pas forcément parce que la roue va tout être clippée. Assez et tout. Effacer, nous sommes pas les avarons, mais effacer un clip. Tu vois, c'est comme pour dire que maintenant, nous sommes la capacité aux activités en fonction des moyens, de la manière de travailler, de nos ambitions, de nos objectifs. C'est comme ça qu'on essaie de placer dans notre clip. Mais dans tous les cas, dans nos prestations, toutes les chansons sont représentées à un moment donné et sont consommées avec beaucoup d'amour. Mais quand il y a eu bien mot, papa André n'a pas eu bien mot, papa Bernard, maman Toba, ce qui veut dire que ça marche bien. Alors je suis content, ça m'a aussi fait plaisir de voir que. Merci beaucoup. Depuis qu'il a commencé ma série à tout bénana, Tina, Batemu Toto, que ça va calmer, Nazofunda Bangoe. Parcours Nama de Wanga, Tembo Alibosson en restant dans le studio, Tina O Nazalelo, ça sera le spectacle que je vais présenter à Wasplash. Et la différence à celle de la cigale, ça sera un show adapté pour mon deuxième concert sur Paris. Donc ça sera un peu différent parce que ici je présente d'où je viens jusqu'à ce qu'elle que je suis et là-bas je vais présenter un show digne de ce nom pour montrer l'artiste que je suis en ce moment et pour présenter quelle direction je prends pour le futur. C'est ça la différence. Je veux tout savoir, est-ce que les artistes de votre label seront sur la partie ici? Les Bétanes et les Artistes du label seront en partie les artistes du label. Bien sûr, je vais prendre les artistes du label, artistes chanteurs, oui, artistes. C'est quoi les partie de votre groupe? Il y a une délégation prévue pour la SQL. Merci. Merci beaucoup. Le prochain, s'il vous plaît, rapidement. Yana. La gueule. Vous voulez savoir c'est quel titre aussi? Oui. Et pourquoi est-elle spéciale? Parce que c'est une nouvelle chanson que je n'ai pas encore beaucoup exercée devant les gens. Je veux voir comment est-ce que les gens vont réagir avec cette chanson. C'est la chanson K.O. Je veux faire K.O. en live pour la... pas pour la première fois, mais pour la première fois devant un grand public. Après le parcours, après le concert parcours qui sera la semaine prochaine au parking Aquasplash, c'est le tout dernier cadeau que vous allez donner au public de Kinshasa. Je voulais savoir, on attend tous un concert positif à la Cigale de Paris parce que c'est déjà un lieu qui pouvait accueillir plus de 954 personnes assises. On peut attendre à un concert positif, un bon spectacle, un public nombreux. Oui, hein. C'est à ça qu'on s'attend tous. Ça avance bien, j'ai les indicateurs qui me disent que ça va bien se passer, donc du coup on attend et tout le monde s'attend à ça. Ça va être un bon résultat, c'est ce que tu veux savoir. Merci beaucoup. Et merci. Les artistes avec lesquels vous me voyez traîner, ce sont des artistes avec qui je m'entends bien personnellement, ce sont des amis. C'est des collègues de travail, mais c'est aussi des amis. Et très souvent quand vous les voyez ici, genre récemment, avec Niska, c'était plus parce que c'est mon pote qui est venu me voir, on a chillé. Avec Renglish, avec Guilherme Desbar, peu importe qui c'est. Mais la plupart des artistes avec qui je traîne, les gradules et tout, c'est plus des gens avec qui j'ai un bon monde, avec qui je m'amuse bien, avec qui je me comprends, avec qui je converse pour, en tant qu'être humain pour évoluer, pour avancer. Et pour le métier, c'est aussi important d'avoir des artistes qui ont une certaine trempe avec qui tu peux collaborer pour essayer d'élargir ton spectre auditif. Et ça, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas le but premier pour lequel nous parlons ou pour lequel nous traînons ensemble. Nous traînons d'abord ensemble parce qu'on est amis et qu'on s'entend super bien, qu'on passe des bons moments. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais n'a pas l'esprit qui nous a mon volume d'en comprendre.
pour la artiste pour envoyer bana ils ont des stratégies n'ont rien à par rapport mais c'est pas ce que moi je fais, c'est pas la route que j'ai choisie. Dieu m'a fait une grâce de bien m'entendre avec certains artistes et mais autant tu me vois avec eux on a à peine fait l'eau mais on ne l'aura pas monté parce que ça n'a qu'il n'a comprends mais les artistes nous avons un abord d'entrée dans un abord pas à un équipe mais peut-être que même la fréquence des artistes avec qui je traîne à Kim est plus forte que celle avec qui je traîne en France ou des autres pays. Mais par rapport à tes kinoiseries, ton linato commissaire, tu sais qu'on est bella, toi, non, ce n'est pas ça. C'est juste de l'amitié et du bon temps pensé ensemble. Voilà. Pour l'album. L'album, je crois peut-être que vous avez déjà un album, vous ne savez pas. Ou peut-être que vous l'aurez très bientôt. Dans tous les cas, je garde encore la surprise et soyez juste connectés et concentrés. Abonne-toi, tu verras toutes les informations là-bas. La première sera dédiée à M. Eli. Je pense que c'est lui qui est le producteur. Je ne sais pas si c'est lui le producteur. Voilà. Bref. Une belle question, Isabelle. La guest. Depuis, par rapport à musique et bâtiment, je me pose la confusion. C'est-à-dire quoi? Comment la peste? Est-ce que c'est un peu comme ça? J'ai pas de même. Dites-moi la peste. Et à un moment, pas besoin de comprendre comme ça. Je sais que tout le monde sait pourquoi ils ont des musiques. Mais même si on a dit la peste, l'explication est un illogiste. L'être clair. Deuxième question. Par rapport à la production, il y a une bonne là. Y a-t-il un invité au lieu même ici? Parmi le bloc, nous tous va featurer. Là, il va featurer mon mot. Oh, c'est vraiment un côté pour la route. Ils en ont assez. Mais par rapport à un deuxième moment, il y a une autre personne qui m'a posé la question pour la nuit, il fallait mettre un dame après. Pourquoi? Or, il faudrait que vous m'aniez, vous qui m'aimez, vous qui m'aimez. Allez, mettre un dame, vous m'aimez. Pourquoi vous avez un dame, vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez. Troisième question pour la série, c'est d'aller par rapport à la future pour ça. Soyez dans l'obité, la maraille est là. Tournez la musique, pas canisé, la canisse d'abord. Parmi les 15 chansons qu'on a commis, j'ai tiré la masse là. Et ça fait bien, même comment le laisser en fond, pèse. Ça va s'insister. Ce d'autant là, mon lili, d'autant là, éclairage. Mon lili, c'est rien. Mon élève est tout le monde. J'ai tiré la masse là, inospi, la génération. Il y a toujours quelque chose de bien, ou soit tu es producteur à proposer, soit tu es paquet. Dans tous les deux cas, je crois qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas te donner des réponses exactes sur le temps auquel tu auras droit à ce featuring. Mais je crois qu'il y a une chanson qui existe déjà. Zara publicité mon roi, moi ça n'a trouvé pas des gens sans lui. Du coup c'est bon, j'ai pas de problème avec lui pour chanter. Ceux qui m'ont coupé sa vie, toi. En tout cas, ceux qui ont coupé ma n'a trouvé pas, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, c'est Fanny n'a dit moi, faux moi comme mon souvenir. C'est raté, faux moi comme mon souvenir. C'est lui qui fait le premier couplet et c'est lui qui accompagne tous les refrains. Donc je crois que Aïmba assez, voilà. Et c'était quoi l'autre question que tu avais demandé? Pourquoi Puzzle comme titre d'album? Puzzle. Pourquoi Puzzle comme titre d'album? C'est parce que dans Puzzle, dans la bande Zimboïza folklorique, dans la bande Zimboïza totalement urbain, dans la bande Zimboïza rappé, dans la bande Zimboïza dans la forme du tout. Et un Puzzle, c'est un ensemble de. Ils ont objet, ils ont manquant, mais ils ont ensemble dans ma particule, dans mes belles, et ma forme différente. Et toute cette diversité, cette panoplie de style et de façon de gérer les choses. Il y a mon énergie dans l'album, il y a mon appel dans mon puzzle parce que ça représentait toutes les parties et toute la diversité de Guez. La partie lover, la partie dansante, la partie réfléchie, la partie bête, tout celui que je suis, tous les fragments de musique que j'ai pu récolter durant toute ma carrière, ça fait le puzzle de celui que je suis aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le puzzle, c'était mon premier projet, la présentation de la personne qui se voit au Nazaré. Voilà. Alors, je vais parler à monsieur Eric. Et en français, s'il te plaît. En français, ne vous inquiétez pas. En fait, la question, c'est plus basée sur la personne de Guez. C'est un artiste aujourd'hui qui est comme un modèle aujourd'hui à travers sa musique.
Bon, vos avis à côté de lui, je voulais savoir, c'est ça qui est que les gens se posent. Votre collaboration se limite à travers cette production où vous comptez l'accompagner jusqu'à ce but, comme on dit, jusqu'au bon port. C'est-à-dire que vous allez l'accompagner durant toute sa carrière ou ça va se limiter seulement à travers ce projet. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Premièrement, avec Gaz, vous êtes notre grande star. On ne travaille pas des affaires, on travaille comme une famille. Donc on a déjà travaillé avec Azmawete plusieurs fois et on va continuer avec cet événement le 24 août au parking Aquasplash. Et bien sûr, on va continuer avec plusieurs projets. Dans cet événement, il y aura beaucoup de surprises, moi je vous rassure. Donc il y aura des cadeaux, il y aura des surprises. Je pense que vous êtes en retard avec les achats des billets parce qu'on a déjà rempli la majorité de l'espace. Donc vous devez faire rapidement à chercher et acheter vos billets parce que ça risque de ne pas avoir des places dans cet événement. Et bien sûr, vous connaissez maintenant à Kinshasa, c'est le temps des jeunesses, c'est le temps des jeunes. Gaz Mawete représente les jeunes à Kinshasa encore. Donc, je clôture. Le travail avec Gaz Mawete, c'est un travail familial. C'est pas seulement un travail des affaires. Et bienvenue dans votre famille, dans votre maison. Bianco, je me présente. Hélène Kalema. Bianco. Douce, brutale, fatale. Et je représente Afrique Radio. Quelques précisions. Nous sommes connectés à Kinshasa, c'est-à-dire à l'Université partie d'ailleurs. Donc voilà, moi ce que j'aimerais savoir en fait, c'est que quand tu parles du parcours, évidemment, j'imagine que nous avons un parcours dans le cinéma. Parce que le parcours, on se pose un cinéma, on se pose un best. Quand on dit un best, n'est-ce pas? Pour avancer légèrement, vous voyez, souvent la balle bombe et bandit. La question maintenant qui m'inquiète un petit peu, c'est le côté, par exemple, la chanson tout à l'heure avec Fali. Moi, je revois quand on parle de parcours de Guèze, je revois Guèze avec Fali, je revois Guèze avec Dadjou, je te revois comme ça. Alors, je me dis, mais est-ce que le 24 août, j'aurai l'impression de revivre, comme tu as parlé de tes chansons qui ont marqué chaque année avec... Et ça, c'est vrai, personne ne peut dire le contraire. Chaque album, il y avait 2-3 titres à succès. Alors, j'imagine qu'on va reprendre les titres à succès. Mais comment seront réinterprétés ces titres si X, Y ne seront pas là? J'imagine, à moins que ça soit une surprise, ça. Mais sinon, je vous souhaite bonne chance pour Kinshasa. Mais je m'inquiète un peu pour la cigale. C'est comme si tu affrontes une salle, là, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tu fais des voyages en Europe tout le temps. Mais la cigale fait partie des salles de renommée. Aussi, mets-le en moment où tu as bien. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de les insulter. Et les insulter? Il n'y a pas de les insulter. Et toi, on est sur une colonne de rose à pomme. Jamais. Donc, la personne qui sera d'abord importante pour la scène, pour présenter le parcours de Guèze, c'est d'abord Guèze. Les featuring qui ont accompagné ma carrière, certes, font partie de mon parcours, mais ne sont pas le squelette ou encore la partie motrice ou encore la partie la plus importante de ma carrière. La partie la plus importante de ma carrière, ce sont les accomplissements, ce sont les titres faits avec amour, avec passion, toutes ces réussites que j'ai apportées. Mon parcours n'est pas fait que de réussites, aussi des échecs. C'est plus ça que je veux présenter sur scène. Et si il y a des invités que je garde encore comme surprise, qui vont peut-être traverser de quelque part ou venir par avion ou peu importe, ou même qui sont déjà sur place, je ne peux pas en parler maintenant, sinon je vais cacher la surprise. Mais c'est sûr qu'il y aura des surprises pour le 24. Mais le parcours sera plus représenté par Guèze que par ceux qui ont été invités dans la carrière de Guèze pendant son parcours. Donc ce qui est sûr, c'est que vous recevez le 25 ou depuis la banda, si la bonne encore. Ceux qui ont participé à la banda, ils ont été tout le temps dans Zalaka et qu'ils sont sur place pour honorer. Ceux qui ont été, vous gardez en tête qu'à les Kanaka, on va lui rendre aussi hommage, on va le remercier pour sa pierre dans l'édifice que je suis aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on va raconter l'histoire avec ou sans image. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre question et merci pour votre présence. Donc, comme je vous ai dit, Aquasplash organise chaque année
plusieurs événements avec plusieurs artistes. Donc j'ai dit que le travail avec Gaz Mawete, c'est un travail familial. Et je vous donne un secret. Hier, moi-même, j'ai vendu 1000 billets. Hier. Donc, je suis vraiment sérieux. Vous devez vraiment avoir... Maman Ruth, vous sentiez le tabac? Oui. Chez Maman Hélène qui soigne. Partout où on a Hélène, on a Savigny, on a Wapi, on a aussi du tabac fraîche, boy. On roule, démarrer voiture, on va la mort. Et pas Maman Hélène qui soigne. Olia est assuré. D'après mon qui est Olia qui toque. Quand on a un an, Olia, c'est beau, ça tient. On tombe en même temps aux Olia. Propriété Maramoutou qui toque. Maman Hélène, je suis ma suite quand ma maman t'a pas été au terme. À peine à service retard. On a fête. On a cérémonie, mon peu importe, baptême, nuance. À sa service retard, mon coup. Vous avez un amour, non, le bon, vous avez de quoi me dire qui toque. Amen! Amen! Bon, c'est comme la nuit. C'est comme la nuit. La cotite? En plus, il y a aussi un signe au Batamelin, Batasavini, tout à l'heure à Panayo. Tu vas me contacter à 07 53 82 87 72. Chez ma mère Hélène qui soigne, Nazana Damari Lelis, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazan, okay. Tout près à la gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord. Gare à Mélin. Tu as un restaurant, ma belle. Tu as un restaurant. Tu as un barquette. Tu as un restaurant. Tu as un barquette. Tu as un maman. Tu as un barquette. Tu as un barquette. Donc, à partir de 70 euros, tu as un barquette. Voilà, il y a combien de choses au lit en tout cas? Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngulu, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djunga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djunga, venez, venez. Vous allez vivre du vrai. Chez Djunga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djunga. Je suis docteur Pichotonele, pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec D'ici. Toujours.
parce que ça risque de ne pas avoir des places. Donc, les points de vente seront à Edikokash, Inmarché et Dukan. Donc, vous devez faire tellement vite, vous pouvez avoir encore votre billet d'après la Free Money. Merci à tout le monde. Et moi, je vous rassure que ça sera un événement inoubliable. Merci. Habillé qui est bien. Voilà mon investisseur, on est derrière vos problématiques. À quoi moi j'ai presté plusieurs fois. Je viens de prester Kotakar et j'ai presté aussi un truc caricatif, la Bosse-Saint-Zaïn-Hôtel Mongo. J'ai récolté des fonds. Jusqu'à présent, je fais des dons tout le temps à Goma. Je reviendrai encore et encore au fur et à mesure que je serai en mesure de remplir mon obligation de égayer les foules partout où je suis. Goma est un endroit, c'est une maison pour moi, Goma. Quand je suis à Goma, je me sens très bien. Autant de fois il faudra que j'y aille pour prester, j'irai. Donc, j'ai fait plusieurs concerts à Goma et j'en ferai encore d'autres. Ce n'est pas un sujet si spécial que ça, en fait. Jouer à Goma, pour moi, aujourd'hui, je dirais que c'est devenu une habitude parce que ce n'est pas une fois, mais plus de 3 ou 4 fois que j'ai livré des concerts là-bas. Et mes dons, chaque année, je fais des dons pour les déplacés de guerre, pour les réfugiés. Chaque année, je fais des dons. Je ne suis pas obligé de ramener une caméra parce que je ne le fais pas pour prouver aux gens, mais je le fais parce que pour l'amour des Congolais qui se trouvent là-bas. Je profite du moment pour en parler. Et j'espère ne pas montrer aux gens que Nazam Toumala, mais donner aux gens l'exemple qu'aller donner du réconfort et du soutien à nos frères qui sont à l'Est, c'est important. Si c'est pour donner l'exemple, je préfère en parler. Mais quand je le fais, je ne le fais pas pour qu'on me remette une médaille ou quoi que ce soit, je le fais par amour. Et quand je vais pour rester pour eux, je vais vraiment pour eux. C'est peut-être pour ça qu'on a un retard, je peux y aller dans la réfugiété. Au moins, on a été qu'il y a des loyers, mais là-bas, moi, c'est juste ça. Et pour si j'ai détruit ou bien apporté ma pierre à l'éducation nationale, je dirais que quelquefois j'éduque et d'autres fois j'ai fait abuser les gens. À aucun moment je n'ai demandé à quelqu'un d'aller voler ou de détruire un truc ou partir vers des valeurs qui sont contraires au bien-être de l'être humain. En tout cas, là, j'avais un bébé, ça. Tout y a ma jeune. Soit on s'accagne ici, soit on paye, soit on s'amuse, soit on s'éduque. Jamais dans la destruction, ça il faut que tu le gardes bien en tête. Voilà. Donc il y a beaucoup d'attraction par rapport à penser à donner, faire chanter, faire passer un moment inoubliable à tous les vacanciers, à tous les parents, à tous les employés, à tout celui qui viendra pour célébrer ce jour. En tout cas, ça a manqué parce que particulièrement je suis entré dans mon premier label. C'est là que j'ai fait mon premier album, mon premier LP. Avant, je sortais que des singles. Non, je crois que c'est un moment clé pour moi. Par rapport à Fille Gola, voilà Venim. Fille Gola, c'est mon grand frère. Sauf que le fait d'un ami, il est capable de faire un truc que tu déplaces. On ira au fleuve, on va aller s'amuser. Ou bien c'est où, t'es où, tu fais quoi. T'as fait ça, c'est pas bien pour t'arrêter. Par conseil, voilà, parce que lui, il n'a pas le temps de le faire à la fin, parce que je n'ai pas son numéro. Dans un verre, je chante ses chansons, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais l'affinité ne se force pas. Si le courant il passe bien avec quelqu'un, ça passe bien. Si le courant il passe moins bien avec quelqu'un, c'est là de ne pas dire que vous avez un peu mal. Frère Ebola a beaucoup de respect, il n'est pas donné ni Kabouroni. Donc, on va se brûler, dans un verre, il y a un spectacle, il est fort. Oui, il est là, il est fort. Donc, ce n'est pas qu'il y a un problème qui est venu. J'ai quelques petites questions qui sont là. On est à l'aise parce que quand vous lisez pas vos alertes, la France est vos alertes. Il n'y a pas quoi pour tout. La réponse est effectivement. Donc, tant qu'on a ta chérie, on a eu la réponse à la sécuriser par l'agence d'aide à la France au bazar chargé pour les aider à sécuriser. D'aide à protection au bazar chargé pour protéger pour l'événement. Donc, plusieurs centaines d'agents, beaucoup de brigades camines. Ma policier, sans compter ma maître paye la sécurité, on va déjà rapprocher à pièce. La sécurité sera assurée au maximum. Ma chérie, on a tout pour vous aller à l'aise. Ce que vous avez besoin de numéro, nous n'avons pas ça dans le monde. Ils n'ont pas la peine d'être dans le salaire bien. Alors, deuxième préoccupation. Ce qui nous a dit, il va nous dire pour la vie, vraiment, ce dont on a dit, la vie, la globalité, il va nous dire pour ça. Pour conseiller à Ben Bissot, pour conseiller à Masse. Sur la table, il y a un vrai conseil vraiment au bas là, pour retenir et ça, là, on va du lobby. En tout cas, je ne trouve pas. Sur l'île, là, on va le contraire.
Je peux dire une explication, un exemple. Parce que dans un maman, je suis parent, je vois comment les enfants sont portés, mais à vrai dire, ce que vous la profondeur, au moment où on va la cause doiter, ça va bien la vie des athées. De deux, dans ce qui même, comme la balade ici de la guerre, c'est ma wéti. Quand on parle de les trucs de guerre, la musique, ce qui fait, c'est un peu rare, on est vraiment un plateau, il y a un journaliste, Oyo, on va faire la révolution à vous. Ça veut dire, dès que vous avez un peu il y a un cas où on a une conférence à guerre. Plusieurs fois, j'ai même tenté d'avoir sur mon plateau. On n'a pas eu de moins compliqué. Oh non, mais il faut appeler son manager. Ça prend un peu la tête, en fait. Je me dis, bon, d'accord, comme il est déjà quelqu'un qu'on connaît, il y a ça déjà qu'elle s'est envoyée, bon, un jour viendra. Mais quand même, bravo, la badine à la main, on va se rattraper pour ça, la promotion. Mais je vois rarement sur les plateaux, il y a la TV, il y a une émission, autre, il y a vu qu'il était sa capitza, bah, ma cam. Ou encore, tu fonctionnes comme d'autres artistes musiciens, bah, comment ça, la main, clique, n'y a pas. Chez Nel, regardez, bah, je ne passe pas. Chez Gabana, passé, mais je ne passe pas. Chez Stéphane, peut-être parce que c'est sur Internet. Moi, visibilité des amis, donc point d'interrogation, j'aimerais vraiment savoir être clair par rapport à tout cela. Merci. 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 C'est pour donner la force à la jeunesse qui ne peut pas y avoir gêné. Femme d'artiste, vous aimez. Eh, Boya, Boutia, Mamoko, Menekina, Kéne, Tumba, Menzela, Mambé, Zela, Mambé, Natala, Simate, Sissi, Nasa, Makoro, Mouloum, Menga, Nakéne, Kaka. Non, on peut savoir que ma jeune, il y a beaucoup de chansons, mais même les aider, on se fait au bout d'un rap avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la capitale, ils ont fait des débuts, beaucoup de profondeur. Dans la nature, on a fait des choses, parce que moi, quand on a fait cette théorie, on a fait des choses, on a fait des choses. Donc voilà, il y a des chansons qui sont très éducatives. Même si je ne suis pas un professeur, il y a une éducation civique et morale, mais dans un musicien, je prends aussi des fois le temps d'éduquer la masse et je prends plus de temps à les aider parce qu'en vérité, pas dans un monde divers, dans un monde pour divertir. Ce qui a besoin d'une éducation, pas pour les cacher, mais là nécessairement des cachés. Mais ça, on va se divertir beaucoup. Et de l'autre côté, je pense que j'ai fait des éditions avec tout le monde. Il y a juste peut-être un petit protocole, des petites choses à faire pour que tout le monde s'en va. Et effectivement, les gens ont entendu personnellement pour ça, la même mission, on va personnellement aller se promener dans le monde ensemble. Moi, je n'ai pas le problème avec la presse, et je pense que j'aime un peu beaucoup la presse. Sauf que des fois, pour que tu en aies plus dans la question, on va aussi en plus, on va te dire qu'il y a autre question. Pour éviter ça, ma vie, éviter ça, côté, nous sommes à la bisou. Il y a un moment, il y a des fois, ça va s'interroger. Pas parce que ça va travailler, pas pour éviter que le droit, pour la tête, intègre à quoi un piège, il y a pour éviter tant qu'on a ça dans la plateau. C'est pour ça que je fais très rarement des interviews, mais ce n'est pas parce que je ne respecte pas la presse. Je respecte beaucoup la presse et je sais quelle place la presse a dans ma carrière, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Je respecte énormément la presse. Mais juste par rapport à nos habitudes et par rapport à nos défauts, à notre kivoiserie, à la corolaise, nous avons des fois tendance à amener les gens vers la télévision quand ils sont sur le plateau, en tout cas côté la presse. Et c'est ce qu'on plaint, quand tout le monde n'est pas parfait, c'est ce que moi je reprochais à la presse, tout comme la presse me reproche aussi à moi certaines choses, beaucoup de gens ah, mais on est ensemble, je pense qu'on va tous ensemble, on va avancer, ça va bien se passer. Voilà. Donc aussi, ça va, on va voir. Bon, je trouve que ça va bien, c'est un bon job. Je suis très bien, on va tout faire, ça va bien, c'est pas pour Avec ce qui est vraiment en place quelque soit.
Et il n'y a pas un featuring qui m'a vendu partout en même temps. Chaque featuring m'a apporté sa terre, la définition de l'outil, comment ça fait un plaisir de toujours. Ouais, c'est mis à gauche, ouais, c'est mis à droite, c'est mis à l'église. Le fait est qu'effectivement, c'est mis à l'église. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu dois me dire